Salut l'expert, on est avec Mélina et Océane, salut. Du coup avec vous avez déjà été hypnotisé il y a quelques semaines, Japan Addict, donc ça va être très facile pour vous de vous remettre dans cet état. J'aimerais juste que vous concentriez sur votre main en la mettant comme ceci. Vous allez juste vous regarder sur votre main, vous allez sentir qu'à partir de maintenant, elle est attirée de plus en plus vers votre visage. Mais vous allez voir que cette main en fait, dessus il y a écrit le mot d'or, si bien que quand cette main rejoindra votre visage, vous allez sentir que vous allez retrouver cet état que vous avez déjà connu, cet état de détente, de relaxation. C'est que cette main pourra juste accélérer. Et plus on va voir cette main s'avancer, et plus on voit de plus en plus ce mot écrit sur cette main, le mot d'or qui est de plus en plus écrit. On le voit de plus en plus apparaître, comme s'il était de plus en plus clair, de plus en plus lisible. Quand cette main touche votre front, c'est juste se laisser totalement aller, repartir très profondément dans cet état de détente, de relaxation. Et juste au moment, cette main touche votre visage, c'est totalement vous laisser aller. Simplement, ça peut être dans 5 secondes comme dans 30. Et juste au moment où cette main touche, c'est juste se déconnecter totalement. Juste laisser totalement aller les choses. Repartir très profondément, fermer les yeux et se laisser totalement aller. Juste complètement repartir très profondément. Comme si je vous disais le mot dormir maintenant. Complètement relâché, détendu. On va juste faire un décompte maintenant, de 1 à 5, puis on va aller vers le 5, et puis vous allez vous détendre encore deux fois plus, et encore deux fois plus. Avec le 1 maintenant, vous pouvez sentir cet état de détente, de relaxation qui s'empare de tout votre corps maintenant. Avec le 2, vous allez juste pouvoir vous rendre compte que tous vos muscles se relâchent de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 3, c'est comme si le chant des oiseaux qu'on pouvait entendre, peut-être le bruit des voitures au loin, le corbeau, tous ces sons vous apportent de plus en plus de relaxation et de détente. Avec le 4, on sent sa respiration maintenant qui devient de plus en plus profonde. Comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, on pouvait se permettre de plonger encore deux fois plus profondément à l'intérieur de soi-même. Et avec le 5, maintenant, on est totalement relâché dans un état très agréable. Un état dans lequel on se sent bien, en parfaite détente et en parfaite sécurité. Vous pouvez juste reprendre votre main, la mettre sur votre visage, mais vous savez ce qui va se passer, parce que vous savez ce qu'il y a écrit dessus. Et on repart, maintenant. Très profondément, de plus en plus et de mieux en mieux. Ok, maintenant, ce qui va se passer pour vous deux, vous allez pouvoir vous rendre compte. En fait, vous allez vous rendre compte quand vous allez ouvrir les yeux, que vous êtes au cinéma, vous êtes devant un film. Quand vous allez ouvrir les yeux, tout simplement, vous serez devant un film au cinéma. Au début, ce sera le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu. À trois, ouvrez les yeux. Maintenant. Putain, j'ai oublié le pop-corn. C'est quoi ce truc vert? Regardez, il est encore deux fois plus drôle. Non, mais sérieux, gars. C'est complètement stupide. Regardez, maintenant, c'est un film triste. C'est le film le plus triste que vous n'ayez jamais vu. Pourquoi il s'est barré avec l'autre, là? Non. Vous êtes fait pourri. Qui s'est barré avec qui? Mais Hanana, là. L'autre, il la court après depuis 2 ans. Il prend l'autre con. Maintenant, c'est un film d'horreur. C'est beau à voir tout ça. Regardez, il y a le monstre qui s'approche de l'écran. Oh, vive la 3D. Regardez, c'est presque comme s'il pouvait en sortir. Maintenant, ça nous voit un film drôle. Pourquoi j'ai une crème dans la figure, là? D'accord. Regardez, maintenant c'est un film pour adultes. Ah oui. D'accord. Et c'est de nouveau un film drôle. Oh non. Regardez, ils ont coupé le son. Oui, une scène d'action, il n'y a plus rien. Le son? Oui, s'il vous plaît. Alors, ça doit être un bug, alors ça fait exprès. Le son? Et que tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout. Maintenant. Vous avez joué toutes les deux?
Dormez. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toutes les deux quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous avez toujours très soif. Et en fait devant vous il y a une bouteille d'eau, mais vous allez voir qu'il est impossible pour vous de soulever cette bouteille d'eau. Impossible pour vous de la soulever. À 3 vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaie de la soulever. Hey. Tu as foutu de la colle dessus ou quoi? En fait, c'est la bouteille Excalibur. Essaye. Il faut qu'on l'a cassé. Ils ont foutu un clou dedans. Peut-être, ouais. Sûrement. Il y a un problème? Oui, attendez, laisse-moi essayer. Une caméra cachée. Attends, je la remets. Ou alors il est musclé et nous on a rien du tout là. Tu vas essayer? Non mais attends, regarde, attends, regarde. Tu vois juste à deux doigts. Ou alors non, faut pas forcer. Non. Il est mort, c'est possible. Comment je le désactiverai? Et que tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout. Maintenant. On se laisse totalement aller et juste dormir. Complètement relâché. De plus en plus et de mieux en mieux. Ok, maintenant ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez pouvoir vous rendre compte en fait que les bouées sur le t-shirt de Milena commencent à parler. Elles discutent avec vous. À trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Maintenant. Hein? What? T'as dit quoi? J'ai rien dit. Si. Non? Tu m'as appelé. Pas du tout. T'entends des voix, oui. Non? T'as dit mon nom. Regarde, c'est elle qui parle. Quoi? Il y en a qui viennent dans mon dos? Non. Enlève tout. Quoi? Mais ça va pas ou quoi? Qui quoi? Non. T'achètes tous tes t-shirts? Oh non, brosse-toi, hein, j'ai pas changé d'habitude. Mais ils parlent tous. Je pensais que c'était des oiseaux, ça jacaille. Non, c'est là-bas que ça jacaille. Non, mais là ça jacaille pas. Ça parle. Et ça dit quoi? Il y en a un qui m'appelle, je sais pas quoi. Et que tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. Dormez, complètement relâché de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que devant vous, en fait, devant vous, à vos pieds, il y aura un petit chaton. Ce sera le chaton le plus mignon, le plus adorable que vous n'ayez jamais vu. Par contre, ce chaton, il a un petit problème, c'est qu'il est tout rose. Un autre, ouvrez les yeux. Maintenant. Et ceci, je crois que j'ai trop fumé hier. Oui, je vais être malade si je le fais rester. Autant pis. Regarde, plus tu le caresses et plus ta main devient rose. What? Mais t'as de la peinture sur toi ou comment ça se passe? Il y a une petite en rose. Attends, il est empoisonné ou là? D'accord. Qu'est-ce que tu me fais toi? Sacha, peinture ce truc. Regardez, maintenant il est violet. Il y a une option LED là-dessus. Ça, c'est bizarre ce truc. Et maintenant c'est comme dans Alice au Pays des Merveilles, il n'y a plus que la tête. Et il parle. Ah, bonjour, oui. Moi ça se fait que t'as que oui. Regardez, il fait le grand sourire. Ah, c'est beau. Je t'aimais bien avant, Rose, mais là,
Ah non, c'est classe, non. C'est bien creepy ça. Oui. Et que tout redevient normal maintenant. Vous allez vous souvenir de tout maintenant. Oui. Juste regardez. Dormez. Ok, maintenant ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous allez vous rendre compte qu'en fait derrière moi, il est en train de pleuvoir, mais il est en train de pleuvoir des objets de la vie quotidienne. Un autre, ouvrez les yeux maintenant. Oh, il y a un frigo qui est tombé d'un coup là. Non mais il se passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est qui? C'est qui? Tu crois que le bon Dieu il a vidé de la vaisselle là? Parce que j'ai découvert qu'il tombe là. C'est pas logique. Non? C'est pas un vélo là-haut? What? Mais... c'est quoi? D'où il a atterri de... Ok. D'où il a atterri là celui-là? Mais... Et le gars, ça le gêne pas? Il fait son vélo? Il fait son vélo et un vélo qui tombe à côté! Couille! Attention, il y a un vélo qui va tomber sur les gars! Les tours deviennent normales. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout. Maintenant. Et juste regardez, dormez. Ok, quand vous allez ouvrir les yeux, ce qui va se passer? Quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que simplement, quand je vais frapper dans mes mains, vous allez vous mettre au garde à vous, la main sur le cœur, et chanter Petit Papa Noël, comme si c'était l'hymne national. À trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Maintenant. Ça va? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Et c'est là que ça bug. Les tours deviennent normales pour vous. Maintenant. Regardez. Dormez. Complètement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, vous allez vous rendre compte, toutes les deux, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que toutes les deux, vous n'avez plus de cheveux. En fait, c'est... Vous avez vu vos cheveux tout à l'heure, ils se sont envolés, ils ont pris leurs ailes, voilà, ils sont envolés. Un, deux, trois, ouvrez les yeux, maintenant. Hina ? Quoi ? Il m'a dit... Tout crâne ? Toi aussi, on dirait un œuf. Non. On a chopé un cancer ou on est en Saitama là actuellement, où tu m'as réanimé ? Mais t'as pas vu la bourrasque qu'il y avait avant ? Ah, c'était ça? Moi, je crois que c'était des feuilles qui s'envolaient. Mais pourtant, j'ai pas d'huile. Moi non plus, j'ai pas d'huile. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est... Oui? Hein? Non. Je dis pas, on est malade. Regarde, Mélina, elle a un tatouage de Donald sur la tête. Tu m'avais caché ça. Qui est quoi? Tu m'avais pas dit. Mais de quoi? T'as un tatouage sur ta tronche. Sur ma tronche. Voilà. Ah, ah. Mais non. Tu déconnes, t'as fait ça quand? J'ai rien sur la tête. Regarde, elle a un tatouage de Mickey sur le sommet de son crâne. Non. Mais t'es con, t'en as aussi un hein, toi. Mais non. Mais si là. Non. Comme une Mimi mais noire. Mais toi, t'as vu, mais non. Non, mais il y a peu que toi qui peux me faire ça. Tu t'es foutu un Donald sur la tête, tu m'as mis un Mickey. Mais tu crois vraiment que je me fous d'un Donald sur la tronche? Et tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout. Maintenant. Dormez complètement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, ce qui va se passer pour vous quand vous allez ouvrir les yeux, en fait, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez vous rendre compte qu'on va remplacer votre téléphone par votre chaussure. En fait, votre téléphone devient votre chaussure. Si bien que quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous allez recevoir un appel et il faudra décrocher. À trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Maintenant. C'est pas votre téléphone qui sonne. Ah, oh, si. Allô? Oui. Ouais. T'as haut-parleur de merde. Non, oui. Je rentre. Oui. Encore les courses? Pourquoi? Mais maintenant, je... Regardez, c'est un démarcheur téléphonique. Oui. Excusez-moi. Non, je ne sais. Oui, non, désolé. Non. J'ai dû me tromper de numéro, sûrement. Monsieur, non. Ouais. Je ne suis pas intéressée. Non, merci. Il essaye de vous vendre un cercueil.
Quoi? Mais y a personne qui est mort là. Non, j'ai pas entendu son bruit. Non, dans merci. Les prochains temps. Mais non, je suis pas. Non, non, au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. Regardez, ça rappelle. Encore? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est Donald Trump au téléphone. Oula. What are you saying? You're fucking killing me. You're not Trump, right? No, it's a joke. No, you're the joke. Et maintenant, c'est Son Goku. Oula. Pourquoi ça gueule derrière là? Vous vous tapez dessus? Nani? Oui. Et tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. Dormez. Ok, maintenant, ce qui va se passer pour vous, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait, la marche d'escalier sur laquelle vous êtes assise, en fait, ça va devenir un radeau. Vous êtes perdu au milieu de l'océan. Vous êtes sur un radeau. Un autre, ouvrez les yeux. Maintenant. Oula. Oh, j'aime pas la mer. Il va peut-être falloir ramer pour retrouver la terre ferme. Hein. Si t'as fait une rame. Merci. Il faut qu'on soit là-bas, régale. Là. Oui. Et derrière vous, regardez, c'est pas des requins. Oh putain, je suis derrière. Faut ramer plus vite. Non, ils vont bouffer le radeau. C'est des dauphins, non? T'as vu un dauphin avec un aileron, toi? Qui sort autour de l'eau. Ils vont bouffer le radeau. Il faut ramer encore plus vite. Rame. C'est un dauphin. Faut toute ton âme, Zoshi. Regardez, vous avez semé les requins, mais votre embarcation elle est en train de prendre l'eau, vous savez pas pourquoi. Mais Zoshi, t'as fait quoi? Mais évacuez-le. Attends, vas-y, moi. T'as pas un seau? Ah, mais non, un seau, ça va pas le faire. Mais faut jarter l'eau. Continue, moi. Oh, vous coulez. Oh putain, je suis en train de prendre l'eau aussi. Maintenant, vous allez vous rendre compte que c'est une piscine de chocolat. Oula! Tu crois que ça se mange? Ou tout le monde va déjà nager dedans? Ça colle là. Voilà. Hein. C'est pas trop mal. Et que tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. J'avais le goût de chocolat il y a 2 secondes. Dormez. Complètement relâché de plus en plus et de mieux en mieux. Ok, maintenant ce qui va se passer pour vous deux quand vous allez ouvrir les yeux. Quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que simplement, vous allez vous mettre à parler en extraterrestre. On vous a enlevé la langue française, on vous a donné la langue alien. À trois, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Maintenant. Vous aviez des trucs à dire à la caméra, vous vouliez parler un petit peu de la planète Terre, vous en pensez quoi? Ok. Et tout devient normal maintenant, vous allez vous souvenir de tout maintenant. Et juste regardez, dormez. Ok, relâchez de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant que vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait, à nouveau, vous avez très soif. Vous avez une bouteille d'eau devant vous, mais en fait, on remplace votre bouche par votre oreille droite. À notre ouvrez les yeux maintenant. Tout redevient normal. Et tu vas te souvenir de tout. Et dormez maintenant. Complètement détendu, relâché de plus en plus maintenant. Maintenant, ce qui va se passer quand vous allez ouvrir les yeux, c'est qu'en fait, toi, Océane, en fait, voilà, cette bouteille d'eau, ça devient ton bébé, tu pourras le récupérer, tu pourras agir avec elle comme si tu étais sa maman. Et toi, bah, Mélina, tu es devenue le papa. Un, deux, trois, ouvrez les yeux, maintenant. Mais le tire pas là.
devient normal. Vous allez vous souvenir de tout maintenant. Juste au ferme. Dors maintenant. Droit ton équilibre. Maintenant, ce qui va se passer quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que simplement, tu vas te rendre compte que Mélina, elle t'a volé ton nez. Elle t'a volé ton nez. Un autre, ouvre les yeux. Maintenant. On peut t'appeler Voldemort ? Non, c'est pas drôle. Prends le main. Mais de quoi ? Qu'est-ce que je t'ai volé ? Une mouche ? D'où je te peux te rendre donné en mode comme ça ? Non, mais non, j'ai plus rien. Sûr ? Où tu sais que je te rends tourné si je sais pas où je l'ai mis ? Et si en plus tu sais pas où tu l'as mis ? Et tout redevient normal. Maintenant, vous allez vous souvenir de tout. Maintenant. Et juste, regarde. Dormez. Alors, c'est complètement relâché, de plus en plus, de mieux en mieux. Ok, maintenant, ce qui va se passer pour vous deux, quand vous allez ouvrir les yeux, c'est que vous allez juste vous rendre compte que tout va redevenir normal pour vous. Vous allez revenir à vous, en parfaite forme, en parfaite énergie. 1. Vous sentez cette énergie qui remonte. 2. Cette énergie retourne. Monte 2 fois plus, 3 fois plus, 3 fois plus puissante. À 3, c'est comme si vous réveillez le matin après une très longue nuit de sommeil. Avec le 2, vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé. Avec le 1, vous reconnectez totalement à la réalité. Maintenant. Je pense qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Vous pouvez faire un petit. Bye bye.